Voilà, après des mois et des mois de travail acharné, vous savez, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a des moments où j'ai arrêté, il y a des moments où je suis revenu. Je vais vous montrer quel physique j'ai aujourd'hui. Voilà, je suis en sueur comme j'ai l'air. Hein. Je viens de finir la séance jambes, j'en peux plus. Oui, j'en peux plus. C'est peut-être bientôt la fin de la chaîne, donc avant ça, je vous dois de montrer à quel point j'ai mis Alex Body Time en PLS. Je tiens à préciser que je ne suis même pas mon top. Mon top physique en termes de poids, c'est 91 kg. 91, 92 kg, je suis bien en termes de masse et sèche. Là, je suis à 89, ce qui est mieux que quand j'ai commencé toute cette prise de muscle. Enfin, pour un moment, je suis resté à 84, 85. Là, bon, je suis à 89 kg. Bon, vous allez pouvoir observer les résultats. Vous allez voir que oui, c'était dur. Il y a eu des hauts, des bas. Je reviens de loin. J'ai dû arrêter pendant des semaines, revenir. Mais au final, voilà, quand on a la génétique golden, j'avais dit qu'en 3 semaines, j'allais mettre Alexandre Bodytime en PLS. Il a sorti sa dernière vidéo, vous avez pu voir son physique, il est très bien, il a très bien pris. Mais bon, là, sans même avoir fait le haut, hein, je tiens à préciser, j'ai fait que le bas aujourd'hui. Je vais vous montrer comme quoi il n'y a pas photo. Bon, allons-y, il y a assez de suspense, j'ai fait assez durer le truc, allons-y, allons droit au futur. Donc ok, retour à la réalité là, je viens de remater la vidéo de Alex. Effectivement, c'est serré. Je trouve que c'est serré. Personnellement, je trouve que voilà. Même niveau. Je vois déjà les raseux en mode en commentaire. Allez, il te met par terre, arrête, ça n'a pas le niveau. Même niveau, moi, je dis même niveau. Voilà, là, je déconne. Là, en fait, le problème de l'Exobody Time, c'est que nos physiques, ils sont pas vraiment comparables. Sur plusieurs choses. Je vais pas vous mentir, ok, on regarde les deux, les vidéos comme ça. Ok, facilement, on se dit, Alex, t'as mis en PLS, John, il n'y a pas de débat là-dessus. On peut penser ça, c'est vrai. Et parce qu'en fait, il faut se dire que morphologiquement, on est tellement différents, soit en termes d'insertion musculaire, notamment en termes de points forts, points faibles, on est tellement différents que ah là, c'est pas comparable. Même s'il est vrai que si on regarde l'ensemble du tout, d'un point de vue bodybuilding, Alex rend mieux. Oui, je l'avoue, Alex rend mieux. Mais Alex n'est pas très grand. Je déconne, le mec, ah là, tape en dessous de la ceinture. Ça fait partie du physique. Ça fait partie du physique, on compte tout. Ah, je plaisante, c'est méchant. Et lui, il pourrait me dire, et ton compte en banque, John, on en parle, hein? Combien as-tu d'argent? Ah oui, l'argent que tu as, tu sais très bien que bientôt, ça va finir dans la poche de quelqu'un d'autre avec ton procès. Effectivement, ce serait un argument de taille pour me faire fermer ma gueule, j'ai envie de dire. Donc, enfin bref, oui. Plus sérieusement, Alex, ouais, il a en fait... par exemple, au niveau des pecs, vu qu'il a des clavicules un peu plus courtes, il a vraiment les pecs qui font bien gonfler. Les bras, bon, je pense pas qu'il ait des plus gros bras que moi, c'est, mais vu que voilà, ses bras sont, comment on dit, sont moins longs d'un point de vue osseux, j'ai envie de dire. Du coup, ça fait vite gros bras. Moi, mes bras, ils sont longs, mais ça va, ils font massif. Mais lui aussi, tu vois, ça fait petit bras, mais bien massif. Les jambes aussi, rien à dire. Il a de bonnes jambes bien proportionnelles. Le dos, les abdos, même trapèze. Après, il s'est posé aussi. Alors, tu regardes les photos, le mec, il pose bien, il met la bonne lumière. Et moi, je sais pas faire ça. Donc, forcément, ça joue. Mais bon, bref, ouais, admettons, oui. Donc, pourquoi j'ai pas dépassé Alex? Bon, j'ai pas assez pris. J'ai pris, comme je vous ai dit. Mais pas encore assez. Donnez-moi encore un peu plus de temps. Ok, j'ai pas dépassé Alex. Je vais vous faire ma gueule. J'ai fait le kéké pour rien. Mais j'ai eu plein de soucis aussi. Ah oui, il faut compter ça. Ouais, oui, mais lui aussi, il a une vie de famille, des enfants. Oui, c'est vrai. Comme toi. Mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais par contre, j'ai dépassé PJ. Enfin, PJ, je pense qu'il n'est jamais passé devant moi. Mais quand même, je mets quand même son collègue en PLS. Donc, quelque part, Alex, c'est Body Time. Body Time, c'est PJ. C'est les deux. Donc, quelque part, si. Mieux que Body Time. Mieux que PJ de Body Time. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, bref, sérieusement. Non, bref, voilà. C'est le physique que j'ai pu avoir, malheureusement, dans ces conditions-là. J'ai pris quand même. Hein, on peut remarquer. Je ferai peut-être un petit passage où je montre... comment j'ai commencé du début l'évolution physique de ces derniers mois. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que physiquement, j'ai quand même pris. Hein, j'ai gagné 2 kilos. Là, je suis à 88, 89 kilos. Facile. Sachant que mon bon poids de forme, quand je suis vraiment le plus meilleur rapport masse et sèche, c'est 90, 91 kilos, mon meilleur rapport. Donc, voilà, j'ai encore de la marge. Donc, enfin, bref. Ça n'a pas marché de mettre Alex en PLS ce coup-ci, mais je ne désespère pas. Ça viendra, même si Alex n'a rien demandé, hein, ces vidéos, je sais pas, je l'ai attaqué, enfin je l'ai attaqué, oh, il lui dit lui-même, il a attaqué, je l'ai pris à partie, je l'ai défié sans son consentement, on va dire, mais voilà,
Parce qu'il fait partie du top 3. Même si il est vrai aussi qu'il faut signaler, il y a plein de soupçons de certains produits de chargement sur Alex. Oui, j'ai vu la vidéo de TN. Oui, je la trouve pertinente. Oui, là, je décale. On y reviendra dans. Bon, j'allais dire, on y reviendra dans la chaîne partie 3, mais je suis même pas sûr qu'elle sorte, hein, cette vidéo-là, finalement, vu que la chaîne, c'est bientôt la fin. Donc, on verra dans tous les cas la suite de la chaîne. Au pire, il y aura certainement une nouvelle chaîne YouTube. Donc, voilà. Eh ben, c'était tout, hein. Ben, les gars, moi, je vais essayer de revenir quand même au niveau. Même si, admettons que ben, je n'ai plus le droit d'être sur Internet. Bref, on en reparlera dans la dernière vidéo qui sortira demain, je pense. C'est pas grave, les gens qui me croiseront dans la rue, oh oui, John, je crois que c'est toi, oui, t'es balèze. Vous allez voir, en vrai, ça fait mieux, parce que moi, je suis pas posé. En vrai, par contre, quand tu me vois, je dis, oula, tu vois, je fais pas petit gros, comme certains, je ne fais pas petit gros. Donc, je fais plutôt bien en forme. Donc, bref, bah, sinon, c'était tout. Mon objectif sur le long terme, en fait, c'était de dépasser JO de Double Dragon Warcraft. C'était essayer de m'approcher de son top physique. Ouah! En essayant d'atteindre les 94, 95 kilos, mais bien, pas comme avant quand j'étais un peu trop fat. C'était ça l'objectif sur le long terme, donc je vais garder cet objectif-là. Hein. Donc, je sais pas, peut-être un jour, voilà, ça dépend de ce que raconte le procès, mais peut-être que voilà, j'aurai l'occasion de vous montrer un tel physique, un de ces quatre, parce que je pense que si je m'y mets sérieusement, en étant déterminé, c'est possible. C'est largement possible. Hein, parce que les gens, des fois, ils disent, mais non, nanani, vous allez voir, c'est possible. Comme avec mon élève, Fruit Noir Kevin, qui aujourd'hui fait de gros efforts. Bon, malheureusement, si je peux pas mettre d'autres vidéos, ça va être compliqué de vous montrer. Mais lui, suivez-le sur Instagram. Vous pouvez suivre sur son Instagram, parce que moi, on va peut-être m'enlever mon Instagram. Vous allez voir son évolution, parce que oui, on va continuer. Je vais continuer le coaching et on va continuer jusqu'à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé janvier, fin décembre, je sais plus c'était quoi exactement. Donc voilà, je compte sur vous pour soutenir, pour partager, pour voilà, utiliser les codes de réduction, tout est en description. Faites-vous plaisir, hein, parce que c'est bientôt la fin de la chaîne. Donc utilisez les codes, achetez des t-shirts avant la fin et que je puisse plus rien vendre. Alors que comme ça me permettra de réunir assez d'argent pour pouvoir rembourser leurs frais d'avocat qui s'élèvent à des sommes astronomiques. Hein, vous avez payé, enfin bref, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout. Bah après, ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Le physio veut pas de nous dans le club. Pourtant, le rebeu est encore plus cramé que nous. On va pas rester là comme des cons devant la porte. Frère, on a autre chose à faire que de rester debout. Le physio veut pas de nous dans le club. Pourtant, le rebeu est encore plus cramé que nous. On va pas rester là comme des cons devant la porte. Frère, on a autre chose à faire que de rester debout. Pour tous les balafrés, les chicots éclatés. Les un peu trop bronzés aux sourcils trop foncés. Les non accompagnés, les non habitués. Ouais. On s'est préparé, on s'est fait péger. On les traitait comme des déchets. Quand je reviendrai en showcase, faudra pas venir pour me lécher. Sobre ou bien éméché, j'ai toujours agi avec respect. J'ai fait pas mal de bagarres, c'est jamais moi qui avais cherché. Attends un peu que j'appelle les bombes qui attendent dedans. Je vois que t'as le seum quand elle te passe devant. Dis-nous pas bonne soirée, tu vas te manger un vent. Oh physio, oh physio. Attends, j'appelle les pompes qui attendent dedans. Je vois que t'as le seum quand elle te passe devant. Dis-nous pas bonne soirée, tu vas te manger un vent. Tu demanderas une photo, je dirais que j'ai pas le temps. Le physio veut pas de nous dans le club. Pourtant le rebeu est encore plus cramé que nous. On va pas rester là comme des cons devant la porte. Frère, on a autre chose à faire que de rester debout. Le vie, si on veut pas de nous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, etc. etc. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ah oui, non, on va me dire oui, mais les jambes, monte les jambes, monte les jambes. Voilà, bon, il y a du monde, je peux pas vraiment les démontrer comme ça, mais bon, je ferai peut-être un. Voilà. On va dire devant tout le monde comme ça, un peu de pudeur. Pour ceux qui vont me dire, montre-moi les jambes, j'ai envie de dire. Un peu de pudeur, un peu d'échema, un peu de honte. Il y a des gens ici, déjà il y a un torse nu, c'est chaud. Alors un truc, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin bref. Les bombes qui attendent dedans. Je vois que t'as le seum quand elle te passe devant. Dis-nous pas bonne soirée, tu vas te manger un vent. Tu demanderas une photo, je dirais que j'ai pas le temps. Le physio veut pas de nous dans le club. Pourtant le rebeu est
cramer que nous. On va pas